pas triste. Tu l'expliques dans les salles de bain mal famées puis les coins de rue sombres, c'est pas triste, c'est pas noir. Il y a d'autres choses que je vais faire. Ben non, c'est pas triste. Allô, allô, je m'appelle Catherine Cormier-Larose. Moi, je travaille dans le milieu de la poésie. Pour écrire un poème, ça prend des gens. Puis après, on invente les gens de la personne à qui on parle puis nos propres vies. On parle vraiment d'une inspiration qui va et vient dans ce qui existe. Je pense que c'est comme ça que la poésie s'adresse à tout le monde, puis que la poésie peut faire partie d'un quotidien. Ça se peut pas que t'aimes pas la poésie, t'as juste pas encore rencontré le poème qui te parle à toi. Exposine, c'est définitivement un de mes festivals préférés. Tu rentres dans des petits univers de création qui déjà marquent les projets à venir. Ça te rapproche d'une communauté de création. C'est vraiment éclaté, éclectique. C'est là que tu vas chercher beaucoup d'inspiration. Mais ça te fait voyager. Tu rencontres une diversité de voix que tu vois pas ailleurs.